J'inspire profondément et j'expire, je relâche. Je m'installe dans la position de confort qui me convient aujourd'hui. Je prends le temps de laisser partir toutes mes pensées. Car aujourd'hui, je choisis d'incorporer le positif, de rechercher le plaisir et d'éviter la souffrance. Car le fondement d'une vie joyeuse est le plaisir qu'éprouve mon corps. Les deux premières pulsions de l'homme, la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance, sont des comportements purement biologiques. À ces deux pulsions purement biologiques, s'ajoute un principe fondamental, celui de la réalité. En grandissant, l'enfant apprend à différer son plaisir pour tenir compte de la réalité, ce qui caractérise normalement un adulte. C'est sa capacité à faire passer la réalité avant le plaisir. Nous avons tous ressenti un jour ou l'autre l'envie d'aller nous promener pour rechercher du plaisir, au lieu de nous rendre au travail, par exemple. Le principe de réalité. Le principe de réalité a très certainement était le plus fort. L'adulte sait qu'il doit déférer son plaisir. Il sait également que s'il ne va pas travailler, il aura très certainement des problèmes avec son employeur, ce qui occasionnera du déplaisir. Ainsi, la sophrologie s'appuie largement sur le développement du plaisir que nous pouvons éprouver dans notre corps, car au niveau corporel, le plaisir développe la vie et favorise une bonne santé. Ainsi, dans cette séance aujourd'hui, je vais choisir une personne proche envers qui j'éprouve des sentiments très forts. Je pourrais visualiser son visage afin de faire naître un sentiment que je ressens, un sentiment d'amour profond ou d'amitié ou tout autre sentiment positif. Dès que ce sentiment se sera présenté, je l'incorporerai. À chaque inspire, j'imaginerai ce sentiment en moi, cette perception, ces sensations bien présentes. Et ce, un peu plus profondément à chaque inspiration. Puis à chaque expiration, je dirigerai ce sentiment vers la région de mon corps que je désire régénérer. Je visualiserai le sentiment qui pénètre dans la zone de mon corps, dans toutes mes cellules, pour qu'il le sature de positif. Ainsi, les yogis affirment que l'énergie se dirige là où va la pensée. En associant ma pensée à une image, un sentiment, une technique respiratoire, l'exercice augmente en efficacité.
Ainsi, en complément d'un traitement médical, je peux énergétiser un organe malade, une partie souffrante ou douloureuse de mon corps. Je peux également diriger des sentiments positifs dans tout mon corps afin de générer un bien-être total. Je peux, bien entendu, visualiser à la place d'une personne proche un lieu, un paysage, un souvenir, un projet, avec toujours des sentiments, des émotions positives. Alors, toujours bien installée dans la position que j'ai choisie, je me laisse bercer par la voix accompagnée dans cette séance aujourd'hui. Et je me fais confiance pour prendre ce temps pour moi. Mes yeux bien fermés pour porter l'attention uniquement sur ce qu'il se passe en moi. Afin de mieux percevoir mon monde intérieur, mes sensations. Je laisse se relâcher tous les traits de mon visage, tous les petits muscles. Je relâche mes mâchoires. Je respire lentement en ayant soin de percevoir les sensations de l'air qui entre et sort par mon nez ou ma bouche. L'air qui circule depuis mes narines jusqu'aux régions thoraciques et abdominales. J'inspire et j'expire profondément, je relâche. Tout mon corps bien étendu, relâché, totalement abandonné dans la position de confort que j'ai choisie. J'inspire et j'expire profondément. Je suis absolument détendue et calme. Et je vais maintenant visualiser le visage de la personne que j'ai choisie, le lieu, le souvenir, le projet. Quelque chose d'absolument agréable pour moi. Je l'imagine comme si je pouvais y être dans cet endroit, comme si je pouvais être en présence de cette personne, comme si instantanément c'était là. Et dans cette visualisation, je fais venir en moi les sensations et les sentiments positifs et agréables.
Je ralentis doucement mon souffle. Et à chaque inspiration, j'absorbe tout ce qu'il m'est agréable de ressentir en présence de cette personne ou dans ce lieu, dans ce que j'ai choisi de positif aujourd'hui. Lorsque j'expire, je dirige ce flux positif et agréable vers un organe bien précis, mon cœur par exemple, ou vers la totalité de mon corps. J'inspire et j'expire profondément. Je ressens en moi tout ce qu'il y a de positif, d'agréable. Quand j'inspire, j'absorbe tout ce qu'il y a d'agréable et de positif autour de moi, grâce à la personne qui m'accompagne ou dans ce beau paysage. À l'expire, je dirige ce flux positif et agréable vers l'organe ou la partie du corps que j'ai choisi voir la totalité. À chaque inspire, mon vécu, constitué de sentiments et de sensations positives et agréables, pénètre un peu plus profondément en moi. Lorsque j'expire, mon corps s'imprègne de cette énergie forte et bienfaisante. J'inspire ce vécu positif et agréable. Pénètre de plus en plus profondément en moi. Lorsque j'expire, mon corps s'imprègne de cette énergie forte, puissante, et bienfaisante et bienveillante. J'inspire et je me remplis. J'expire et je diffuse. Même si peut-être aujourd'hui, il se peut que j'ai l'impression que cela me semble difficile, ou que j'ai même l'impression de ne pas y arriver, je laisse faire. Je fais confiance à mon corps pour ressentir et pour comprendre l'exercice proposé aujourd'hui. Les messages s'inscrivent en moi. Un nouveau programme s'installe. Le sentiment est entré en moi. Ces sensations positives, ces émotions agréables. Il s'est peu à peu distillé dans mon corps. Il est devenu de plus en plus présent. Peut-être même encore plus présent que l'image de l'être aimé, que le souvenir que j'avais choisi, que ce beau paysage. Ma respiration lente
sûrement et profondément amplifie mon vécu sensoriel. Mon corps, peut-être même, vibre. Voir un sourire se lit sur mon visage. J'inspire profondément. J'invite le positif. Qui n'a pas ressenti de temps en temps une sensation désagréable, une tension ou un inconfort, un excès de stress, une contraction, des tensions accumulées ou des émotions inconfortables qui perturbent le présent. L'incorporation du positif démontre qu'il est possible de renouer un dialogue harmonieux avec le corps, même quand il souffre. Quand j'inspire le positif et l'agréable, j'ai foi en mes capacités. Je crois en mes ressources. Mon potentiel se renforce. Bien entendu, je pourrais pratiquer à nouveau cette séance pour donner encore plus de tonus à mes journées. Un travail sophrologique ne peut jamais se substituer à un traitement médical, mais si je ressens une douleur persistante, celle-ci doit bien entendu être prise au sérieux. J'inspire et j'expire profondément. J'accueille tout le positif dans mon corps et il circule. Je me rends compte que si je me concentre sur mon pied, par exemple, avec l'intentionnalité de le réchauffer, bientôt celui-ci va devenir chaud. Si je dirige le positif vers un de mes organes avec l'intentionnalité de le régénérer, celui-ci fonctionnera de mieux en mieux. Ici, la respiration est le vecteur qui augmente l'efficacité de la technique. Alors, aujourd'hui, je fais le choix de limiter mes souffrances et de rechercher le plaisir. Doucement, je vais laisser de côté cette image que j'avais fait venir, ces sensations. Je savoure ma corporalité au présent. Je goûte les traces sensorielles laissées par l'exercice. Chaque sentiment réveillé et révélé par la visualisation est comme un souvenir vivant. Je respire profondément plusieurs fois et doucement. Je m'étire voluptueusement
Je reprends du tonus. Je réimagine la pièce dans laquelle je me trouve. Et quand je le souhaite, je me remercie pour ce temps que je me suis accordé et je rouvre les yeux. Thank you.